il y a du monde en fréquence hein, déjà ce matin. Les 73-51 de Dundee 33, c'est la rocade sur la rocade de Bordeaux. À hauteur de Mérignac. Oh, t'es à côté de moi, toi. C'est toi qui m'as doublé avec le Duster Blanc. Je viens juste d'arriver sur la rocade. S'il y avait une antenne dessus, oui, affirmatif. Ouais, tu m'as doublé juste après le Roi Merlin. Ah, ok, je vois. Oui, oui, affirmatif. Oui, oui, là, aussitôt après les feux, oui. Oui, oui, oui. Moi, je continue tout droit et toi, t'as tourné sur la rocade. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Bon, il y a du monde. C'est comme tous les matins, j'imagine. Mais bon, ça s'encule bien, là. Ouais, mais c'est moi le chemin tous les matins, ça, alors. D'accord, ok, bah, je viens de temps en temps comme ça, là, par ici, ouais. Voilà, bon, toi, en tout cas, habituellement, je veux dire, je bosse plus du côté de Saint-Émilion, par là-bas, quoi. C'est plus mon secteur, là-bas. Ah, ok, d'accord. Ouais, bah, pour ma part, je suis agent de sécurité. Ah, ok, d'accord. Mais moi, je suis le semi que t'as doublé, et je fais les dents là, depuis le Hayam à le Roi Merlin. Ok, d'accord. Et c'est vrai que de temps en temps, je viens comme ça en dépannage de ce côté-ci. Ouais. Là, j'étais dans la zone, là, à côté de là où je t'ai croisé. Hein. Ah, d'accord, ok. Bon, alors, est-ce que... Ah, bah, ça y est, de Codiron. Ah, bah, ça y est, j'ai bouffé son QRZ. Ah bah merde, ah bah j'ai oublié ce QRZ, il est ce qu'on dira. Bon tant pis, et la belette, est-ce qu'il est là ce matin la belette? Allez, moi c'est Nounours. Nounours? Ah bah je connais un Nounours aussi, mais qui est dans le nord de France là-haut. Ah moi c'est Nounours de chez Bouic. D'accord, ok. Alors lui, son QRZ, c'est assez marrant, c'est Nounours en guimauve et chocolat. Voilà exactement son QRZ en entier. Hachi. Ah, d'accord. Bon, ça, il y en a beaucoup de Nounours. Ouais, ouais, bah, surtout avec un boulot comme ça, c'est facile à deviner. Hachi. En tout cas, pour ma part, ben là, je sors du boulot et ben, je rentre chez moi, là, du côté de Castillon-la-Bataille, par là-bas. Ah, d'accord. Tu vas quand même assez loin, quoi. Ah, ça fait une soixantaine de kilomètres. Ouais, 62, pour être très précis. Dans un sac, d'accord, ok, oui, effectivement, c'est pas tout à côté. Ouais, bon, je commence à te perdre, voilà. Ça commence à tenir assez QRP, là, assez petit, là, de mon côté. Je vais t'envoyer les bonnes 73-51, la bonne route. Et eh bien, je reviens demain soir. Même punition, même endroit. Oui. Peut-être qu'on se croisera peut-être encore le matin. Eh, il y a des chances. C'est bien possible. Hein. Oh oui, il y a des chances. Ce soir, je serai plus là sur Saint-Émilion, hein, sur mon site habituel. Et demain soir, je reviens là, sur Mérignac. Allez, la bonne journée à toi. À la prochaine. Les bonnes 113-51 de la part de Dundee 33. Ok, pour ça, pas de soucis. Bonne amitié, bonne journée, bye bye.
Merci, bye bye. Ah, effectivement, j'ai doublé là tout à l'heure en allant attraper la rocade. Dans le noir comme ça, pour voir des antennes, c'est pas évident. Avant d'allumer le poste là tout à l'heure, bon, j'étais en train de faire chauffer un peu la voiture. J'ai entendu que par chez moi, là par là-bas, du côté de Saint-Émilion, là dans ces environs-là, il y a une route qui est fermée. Il y a un accident et c'est fermé dans les deux sens. Comme quoi, il y a des informations qui passent quand même au niveau de la CIVI. Attention, le coyote de Codéran, le coyote de Codéran pour Dundee 33 qui t'appelle. Oh ben pour la météo, hein, c'est une météo de saison. Hein. C'est bien ça. La température est encore assez douce. Je m'en plains pas. Attention, la belette pour Dundee 33 qui t'appelle. Senteur pour Dundee 33 qui t'appelle. Et vos chiffres, Dundee. Wow, ça passe fort. Les 73-51 retournés. Station François double 3. François double 3, ou t'es pas loin là. T'es sur la rocade aussi. Non, stand-by zone de rouge. Bon, juste à côté. Bon, personne n'est parfait. Hein. Mais je tapais à côté. Ah, il y avait bien longtemps que je t'avais pas entendu. Et c'est que je viens pas souvent par ici. C'est surtout ça, quoi. Ben, j'habite du côté de Castillon-la-Bataille, par là-bas. Et là, depuis plus d'un an et demi, je suis en poste principalement du côté de Saint-Émilion. Et quand je viens par ici, ben, du coup, c'est juste pour les dépannages. Ah, ok, ok. Parce que oui, avant, je te copiais tous les matins, voire des fois l'après-midi quand tu débauchais. Et bon, moi, j'ai été arrêté pendant 6 mois pour raison de santé. Aïe. Et puis depuis, ben, plus rien. Donc, tiens, si ça se trouve... Tout va bien, mais il a changé de boulot, ou tout va mal, peut-être, malheureusement. Oh non, puis à 59 ans, c'est pas là que je vais changer de boulot. Je serais bien con. Pour le coup, je perdrais l'ancienneté, je perdrais tout ça. Surtout que je viens d'avoir, mon diplôme de ah ben zut, la médaille du travail. Ouais, bon, c'est un diplôme, hein. La médaille elle-même, elle est payante, je risque pas de l'acheter. Et puis ça va me faire une prime là, sur le mois prochain, en même temps sur le salaire. Je prends. Ah, oh, mais c'est bien, félicitations. Eh, je suis dans la boîte quand même depuis 99. Alors, c'est tout mon intérêt de rester jusqu'au bout, hein. Ok, Dundee, je suis en train de te perdre, comme tu te déplaces très vite. Te souhaite une bonne journée et puis au plaisir de te recopier. Passe une bonne journée, les amitiés, bye bye. Pour le très vite, quand même pas. Voilà, j'arrive carrément là au pied du pont d'Aquitaine. Voilà, là j'attaque le tablier du pont d'Aquitaine là maintenant. Ok, bonne journée à toi et à la prochaine. Eh bien, je reviens demain soir. Voilà, donc après-demain matin, ben pareil, à même heure. Ok, ça marche, allez les amis, bye bye. Ok, et puis surtout, amuse-toi bien. A plus, bye bye.
de glace qui sont posants ce matin. D'habitude, je les entends jamais. D'être arrivé là bien là en haut du pont. Voilà. Les 73-51 des stations en fréquence de la part de Dundee 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et bonne journée à tous. Côté circulation, c'est pas mal chargé, mais ça roule. Tout ça retourné. Voilà, ça c'est fait. Bonne journée. Bon, c'est à prendre au second degré. Hein. Le mec, il doit être pillé de rire dans son cas. Dans son, ben, je sais pas si c'est chez lui ou dans son véhicule. Oh, il y a des moustaches. Voilà, eux, là, on sait qu'ils utilisent la CB comme radio-téléphone. C'est ce qu'on appelle la CB utilitaire. Eh oui, la CB n'est pas que loisir. Elle sait être utile, et dans pas mal de pays, elle est même très utile. Comme quoi, et tout le modernisme qu'il y a et tout ça aujourd'hui, dont les professionnels veulent nous faire croire que ce modernisme c'est forcément mieux que le reste, ben, c'est pas vrai. Il y a des choses qui ne peuvent pas être remplacées. Là dans le coin, on tire tout droit ou on passe par le bas? On tire tout droit. Ok, bon, ben, on se décale, hein, d'une. Là, pour eux, la CB, ben, c'est très interactif. Hein. Là, c'est pas le téléphone qui peut le remplacer, la CB. Hein. Puis en plus, en conduisant le téléphone, c'est interdit. Sauf en toute main libre. Mais bon, à part rester constamment en communication au téléphone, alors que là, là, c'est possible, il n'y a aucun problème. Et le téléphone, en plus de ça, ça passe par les relais, ceci, cela. Là, c'est de la liaison directe. Et comme ils sont en convoi, là, visiblement, c'est super, c'est génial. Alors, il y a des... Il y a les carrières, des trucs comme ça. Il y en a qui sont équipés, qui sont toujours équipés CB. Hein. Les mecs, ils ont tout compris. Du côté des associations et tout, bon, il y en a encore qui utilisent la CB, mais c'est plus devenu des associations professionnelles. Entre guillemets, hein, professionnels. Mais bon, ils sont plus. Ils prennent. Certaines prennent carrément des radios pro. Faut pouvoir payer après. Alors que là, c'est gratuit. Et là, on voit bien que pour eux, c'est vraiment du radio-téléphone. Puisque là, on peut faire 10 tours de canot, hein. Mais pourtant, ils sont là derrière.
normalement, il y a du monde. Pareil, il y a c'est des bennes. Des mille pattes en bennes. Il y a le 5 aussi. Faites vif hein, pour entendre, hein, pour choper quelque chose. Hein. Seconde dans l'autre sens. Alors, ceux qui travaillent comme ça, là, avec la CBI, en général, je ne les embête pas. Hein. Ils sont au taf. Hein. Et les convois exceptionnels, alors là, surtout pas. D'ailleurs, quand je croise les convois exceptionnels, j'évite de prendre le micro. C'est une question de sécurité pour la CBI. D'ailleurs, je me souviens d'une petite anecdote, puisque là, c'est calme. Sur la route 4 de Libourne, bon, il y a au milieu, il y a une séparation, c'est des plots. Hein. Et je me souviens une fois justement un convoi exceptionnel et sa remorque était un peu trop descendue et ce qui transportait largement très large puisque les bords justement ben, à chaque fois tapaient dans tous les plots et ça il n'avait pas vu dans ses rétros. Voilà, gentiment, tant que j'ai pris le micro, j'aurais dit bonjour, j'aurais signalé le problème. Hop, il a monté un petit peu, il s'est décalé un petit peu, il a monté un peu la remorque. Et voilà. Ce qui lui a évité quelques ennuis. S'il décapitait des plots, des trucs comme ça. Ou s'il accrochait une voiture dans l'autre sens parce qu'il débordait un peu en même temps. Ah mais une autre fois. Je suis bien sur le 19 là, ouais je crois. Une autre fois avant ça, pareil, là c'était ouais, un camion qui transporte là, des bennes, des petites bennes de chantier là. Il avait une élingue qui s'était décrochée quoi, et qui se balançait comme ça sur la route. Hein. Alors, je suis arrivé à sa hauteur, je lui ai montré mon micro, ok, il m'a fait signe avec un pouce, parce que je n'avais pas remarqué l'antenne, elle était derrière la cabine, je n'avais pas vu sur le coup. Alors je lui ai expliqué le problème, je lui ai dit, je vais me mettre derrière toi, je vais mettre les warnings zigzaguer exprès pour faire ralentir les voitures, et comme ça tu pourras te garer sur la voie d'urgence. Avant d'accrocher quelqu'un avec les lingues. Allez hop, on a fait ça comme ça, tac, nickel. Il s'est garé, il a accroché son truc, il m'a dit merci au passage. Ben oui, il suffisait qu'il y ait un motard par exemple qui fasse une remontée de fil. Ah, pour le coup, il aurait eu la tête qui serait restée accrochée après les lingues. Je rigole, mais je crois que le mec, il aurait pas rigolé sur le coup. Ou alors, ça aurait pu taper dans la pare-brise. Et là c'est son patron, il n'aurait pas été content sur le coup. Enfin bon, bref, dans votre cas aussi. Bon allez, ça va être bon pour cette vidéo. Oh, quoique. Moi là je ne m'amuserai pas à dire il n'y a plus personne sur la CBI. Non, je dirais simplement il n'y a personne au moment où je passe sur les canaux.
Donc, il y a une nuance. Hein. Il suffit que ce soit entre deux reprises de canaux, et puis voilà. De micro, pardon. Il suffit que je passe dessus, justement, au moment, entre deux reprises de micro, et puis voilà. Ça donne l'impression qu'il n'y a personne. Ah mais non, là c'est clair trop comme ça la nuit. J'aime bien le bleu. Après faut... Ah si, j'y vois quand même. Hein. Ah, j'y vois peut-être un peu mieux que l'orange. Quoique, ça se voit. Attention la belette pour Dany 33 qui t'appelle. Et Barracuda 56 en fait. Attention, Barracuda 56, c'est pour Dandy 33 qui t'appelle. Il descend de ce côté-ci des fois, oui. Assez souvent même. Comment c'est déjà Ah, il a le même QRZ que... Ça y est. Attention, le bandit de 4, le bandit de 4 pour Dandy 33 qui t'appelle. Le révérend, c'est vrai au fait. Attention, le révérend 33, le révérend 33 pour Dandy 33 qui t'appelle. J'ai fait un QSO avec lui comme ça, pareil, sur la route. Et il a un camion, ah, qui est bien dans le style. Tout noir. Ah oui. Ça l'a bien fait avec son QRZ. Et il avait un truc, justement, d'accroché là, dans sa cabine, dans le genre, oui. Ben, y a une vidéo hein, d'ailleurs de fait, il faudra monter en arrière, loin en arrière, ça date d'il y a quelques années quand même. Et je m'étais à son encontre justement en voiture comme ça, jusqu'à, je crois que j'avais dû aller jusqu'à Libon comme ça, depuis chez moi. Ah je sais plus. J'y pense la journée. Je suis où? Voilà. Vous venez ici, là, comme ça, là, en live. Vous avez le Québec derrière. Voilà, vu l'heure. Et... Oh putain. Là, il y a du gros connard. Hein. Désolé pour le gros mot, mais les gens sont tout seuls sur la route. Hein. Là, ça a failli taper, là. Donc l'après-midi pour nous, donc 6 heures de moins pour eux, ils sont tous, ils sont pas mal en fréquence sur ce canal. Bah, y a un groupe Facebook justement qui va avec notre ami cousin Pascal. D'ailleurs, dans une précédente vidéo, depuis le QRA, je suis venu leur faire un coucou dessus. Sinon, plus haut, au premier étage, sur le canal 18 SUP, autrement dit, aux fréquences 27-625, vous avez Gilles, 9 Bravo Charlie 555 en USB. Pareil, mais pareil, il y a même créneau horaire.
En général, il est en fréquence à partir de... allez, entre 13 et... ouais, il arrive entre 13 et 15 heures. À cette fourchette-là. Donc, entre 7 et 9 heures pour lui. Ouais, je crois que j'ai fait le tour là pour ce matin. Les 73-51 tous, lundi 33, 14 km, 33 ou moins, de groupe de l'association RCKM, Rémi, bon QSO à tous, avec ou sans propague, car les QSO locaux ça existe toujours, et à la prochaine. Moi je tourne ici. Petit retour vite fait. Oui, c'est bizarre les QRM des fois. J'ai plus rien. Là pourtant je cherche. J'ai plus de parasites. Au fait, c'est vrai, c'est bouché. Là-bas, sortie de salle de Libourne. Je vais passer par là. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Allez comprendre quelque chose. J'arrive à Gignissac. Gilles, 9 bravo sur les 555. Si tu regardes la vidéo jusque-là, il y a beaucoup de noms de villages en hack ici, là, sur le sud-ouest. Moi je regarde de ton côté sur le Québec ce que ça donne. Oui, ce coup-ci, je coupe. Rue 73, 51 et 212 à tous et à toutes. Bye, bonne journée. Et j'en rajoute encore un petit bout. Pourquoi? Je sais pas.
l'impression que là, tout le monde a décidé de prendre la même route que moi, là, pour le coup. Toujours pas de QRM dans les grandes postes, hein, alors que tout à l'heure, s'il y avait un faux. Journée, il y en a un peu plus. Je me méfie parce que les stops, les priorités, les ceci, les cela, ça ne veut plus rien dire. Il faut s'arrêter un peu quand même. L'année dernière, équipe YL, déjà là, on a été obligé d'ajouter des caméras, caméras exprès, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça filme devant et derrière aussi avec. Hein. Donc il n'y a pas besoin d'enclencher, là, on va dire, la marche arrière pour que ça filme derrière. C'est en continu devant derrière. Oh que c'est propre là au niveau QRM. Ah j'en profite. Le silence est d'or. Ah, j'ai entendu un petit truc là dans le fond de la boîte. Bon allez, ce coup-ci c'est la bonne. Je crois que tout à l'heure j'avais dit aussi. Ouais. A plus!